On se retrouve sur xboxlive.fr pour une nouvelle vidéo où on va tester le transfert d'un jeu, en l'occurrence Mass Effect sur 360, depuis un disque dur externe, que voici, un disque dur Seagate de 2 Tera. Donc le jeu Mass Effect sur 360 est stocké dessus, il fait un peu plus de 7 Go. Et en fait on le transfère du disque dur vers la console, de la console vers le disque dur. Pour ça, on teste 4 consoles. Une Xbox One S, une Xbox One X, une Xbox Series S et une Xbox Series X. Donc le principe est de voir si, au-delà des performances d'un disque dur externe, si les nouvelles consoles vont plus rapidement, si elles permettent de transférer des fichiers plus rapidement, si le port USB est plus rapide, si le contrôleur interne est plus rapide, et donc pour voir si effectivement il y a un gain et un intérêt à garder ce type de disque-là, plutôt qu'un SSD qui est un peu plus onéreux. Donc c'est parti, premier transfert du disque dur externe vers la console. Voilà, notre premier transfert est terminé. Donc, notre Mass Effect est passé du disque dur externe vers la console. Donc, on voit que les Xbox Series s'en sortent plutôt très bien, puisqu'elles sont quasiment, elles font quasiment jeu égal à 1 minute 04 et quelques centièmes, alors que les Xbox One sont largement au-dessus. La Xbox One S est le double, est au-dessus du double des Xbox Series, avec 2 minutes 17, alors que la One X, elle, encore pire que ça, c'est quasiment le triple, enfin c'est même plus du triple, avec 3 minutes 31. Chose qu'on avait déjà vérifiée sur une autre vidéo de comparaison de vitesse de démarrage des consoles, où la One X avait été la dernière.
Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. Notre jeu, il est sur les consoles, on retransfère vers notre disque dur Seagate de 2 Tera. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce test? Alors, donc là, notre jeu a été transféré depuis la console vers notre disque Seagate 2 Tera externe. Nos Xbox Series, bien évidemment, sont plus rapides, avec 1 minute 10 et quelques centièmes. La Xbox One S, elle est pas beaucoup plus loin, avec 13 secondes de plus, puisqu'on est à 1 minute 23. Et enfin, notre Xbox One X, elle est complètement dans les choux, à 2 minutes 55. Donc là, j'ai pas réellement l'explication, j'ai recommencé deux fois, le temps est le même. Alors qu'on est juste en lecture sur le disque, hein, on n'est même pas en écriture. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà notre Xbox One X, est-ce que le disque dur est de moins bonne qualité sur ce modèle-là de console, sachant qu'on est sur une Scorpio édition. Donc ça a confirmé avec un autre modèle de console. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les nouvelles Xbox Series, que ce soit S ou X, le gain de transfert, peu importe que ce soit du disque vers la console ou de la console vers le disque, il est plus performant que sur les Xbox One. Donc, comment ça va se traduire? Déjà, si vous voulez utiliser le SSD principalement pour les jeux optimisés, vous pouvez stocker vos jeux Xbox One ou 360 ou original sur votre disque dur externe. Vous gagnerez de toute façon en temps de chargement et en transfert si vous voulez les transférer vers votre disque dur SSD interne ou que vous voulez les rapatrier sur votre disque. Et donc on voit bien qu'avec les perfs d'un seul et même disque, les nouvelles consoles sont plus performantes, certainement que le contrôleur USB lui est aussi plus performant, les disques bien évidemment on n'en parle pas, on est sur du SSD, donc c'est nettement plus performant que ce qu'on avait sur les Xbox One, donc oui vous pouvez garder vos disques durs externes, ils seront toujours plus performants sur les Xbox Series qu'ils ne l'étaient sur les Xbox One, et ça c'est plutôt un très bon point. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à demander d'autres types de vidéos comparatives, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous,
et on se retrouve sur xboxlive.fr. Allez, ciao.